des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République du Congo. Il s'agit du décret numéro 2021-396 du 2 août 2021 portant nomination de M. Makaya Safouessé Lazare en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès des Nations Unies. Du décret numéro 2021-397 du 2 août 2021 portant nomination de Mme Itoi Apoyolo Chantal Marise en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République d'Afrique du Sud. Du décret numéro 2021-398 du 2 août 2021 portant nomination de M. Nyanga Jacques Jean-Luc en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République populaire de Chine. Du décret numéro 2021-399 du 2 août 2021 portant nomination de Mme Ngele Makwele Loria en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République de Namibie. Du décret numéro 2021-400 du 2 août 2021 portant nomination de M. Ibovi François en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République gabonaise. Du décret numéro 2021-401 du 2 août 2021 portant nomination de M. Olesongo Valentin en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République du Tchad. Du décret numéro 2021-402 du 2 août 2021 portant nomination de M. Itoi Rigobert en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès du Saint-Siège. Du décret numéro 2021-403 du 2 août 2021 portant nomination de M. Bunda Costa Serge en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République du Mozambique. Voilà, complètement bouclé. Merci d'avoir été là. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.